Merde. Yeah, not by second. Not by second. Qui te m'annonce, c'est l'information qui veut jouer nous, yon libéré Dr. Gérald Gilles, mais famille, tabay, yon bon l'argent pour ça. Bonjour, bonsoir tout le monde, ou connecté sur Fiat TV 83. Jodi a dossier politique là, fragile, et selon le rapport RNDDH, mettez sous pied qui te daté depuis l'année 2003, refait surface, américain déjà prend ça au sérieux, et yon pral marché prend yon après l'autre, toute équipe, tout le monde, qui te gémé, yon trempé dans Zak Malhonnête, dans le pays, et bagay la pral dégénéré. Alors maintenant, ancien responsable de CPJ, Gilles Louis d'Or, qui t'a détourné plus passé 7 millions de dollars américains, c'est ça qu'on fait qu'on est. Il parlait des leaders petites de Saline, Moïse Jean-Charles, qui n'a problème avec ancien sénateur Naoum Marcellus, qui pourquoi il est là, dans la grosse tête chargée, sans ne pas parler des privés qui récemment prend sanction dans le pays Canada pour drogue et deal. Il dit, c'est un monde qui a baillé bandit ZAM dans le pays, pas nous. Restez connectés ensemble avec nous, Teriel Telus, la grande dossier qui crase le pays, sortant de là, en pile pour le fait dans la République, concernant non moun sa yo qui prend la rue, et un rapport qui indexé, ok, yon a gang, yon a volé, yon a fait tout ça pas bon dans le pays a pral chauffer, FBI gen travail pour le faire, en pile garçon pral en bas code selon dernier détail. Yo. Nous c'est Sofia TV 83, Réseau Paola. Continuez à abonner ensemble avec nous si vous pouvez faire ça. Vous après recevoir toutes nouvelles. Nous allons publier sur channel là et les comme ça capable de faire partie. Gros communauté nous en cap grandi chaque jour. Bon Dieu mette. Premier ça privé fait, nous allons montrer nous ça privé fait. Premier ça monsieur fait. Monsieur connaît que gan pile dossier sous dol qui pas clair. Mais ça monsieur fait l'elvini. En yen pour peuple là, tout pour yo. Sous quoi menti allemande Assad Volsi. Mais ça, monsieur fait le rivé dans le pouvoir. Je vais Nenel Kassi, bien bat. Il va y avoir des plans AN. Non, des plans, on dit non, c'est pas. Il va y avoir des plans AN. Il va carrément pour le dire, menti. Il va y avoir des rats environnement. Il va y avoir la valance santé publique. Il va y avoir Carlos Lebon, la valance. Il va la valance alphabétisation, il va la valance OSNAC. Et puis. Il va la valance santé publique. Santé publique. Et il va à Salvo aussi éco secteur populaire qui est en bataille là, avec social. OK. Ça veut dire que la société, dossier Negsayo d'après RNDDH pas clair. Alors que même Negsayo de 2015, 2016, 2017, jusqu'à ce que nous arrivions à l'assassinat de Jovenel Moïse, majorité là-dedans, yo c'est poisson crasé dans un bouillon. Est-ce que nous avons fait pays? Est-ce que nous avons fait pays? Est-ce que nous voulons faire pays? Qu'on y a ça là, pour aller gagner par l'empile, mais non! Parce que si ça dit dans RNDDH là, yo ta menti sous neg sa yo, des personnalités publiques connues de tous. Si c'est ta menti, neg ta supposé traduit organisation en justice pour diffamation. De 2009, yo traité neg de tout mauvais bagage sam so di la yo, et même neg sa yo pral retourner comme candidat. Yo tout pral fait partie de l'opposition politique en face PHTK. Kounya yo pral comme si font sorte d'alliance avec même équipe moun qui t'a dénoncé dans le temps. Qui ça pour me comprendre là dans le pays? Même privé ça que ou cité qui était dans massacre la Syrie. D'ailleurs, mandat effectivement, bon mal garder ça pour nous. 19 novembre 2003, l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, li adressé directeur général compagnie aérienne américaine, Guy Wilson. Il dit, monsieur, conformément à l'autorité contenue dans les règlements du département d'État, votre société est informée par la présente que le sous-signé a révoqué à la date d'aujourd'hui, le visa non immigrant pour les États-Unis d'Amérique
décrit ci-dessous, nom du titulaire du visa, Jocelyn Privert, date et lieu de naissance, 1er février 1953 à Haïti. Classement B1/B2. Date et lieu d'émission, 26 avril 2000, Port-au-Prince, Haïti. Nous avons notifié l'invalidation du porteur de ce visa et demandé qu'il remette le visa à ce bureau pour annulation. Annulation. Jocelyn Privert. Continuez à vous dire que si M. Sartre le Privert là, monsieur, nous t'a tenté faire le passé. Comme si nous pas respecté avis ça me voyait ba nous pour me dire nous pour ne pas quitter mouché mettez point de pied les États-Unis mais ça va préserver pour nous non seulement ou déjà connaît qui ça la loi dit sous affaire immigration et nationalité entreprise ou hein libéral responsable pour le payer une amende de $3,000 américains parce que vous portez aux États-Unis un monde qui n'est pas en possession d'un visa. Mande autant prix, s'il vous plaît. Pour mander M. Privert pour le capable de présenter dans le bureau hein, en personne pour le vinac passeport avec visa. S'il t'a contacté, s'il contacte l'entreprise. Hein. Mais nous-mêmes, dans l'ambassade des États-Unis, nous décidons. Réseau national défense de Douamoun, RNDDH, li écrit KEP, hein, pour le dire, le temps pris souple, gagnons quantité d'individus qui là, qui pourra aller comme candidat pour une sénateur paysan. Nèg sa yo, c'est pas moun qui fin catholique. Elle pral bay détail sous implication chaque non dossier différent. Monsieur, on vient avec moi, oui. Premier nom que pral cité là, vient avec moi, oui. Eh bien, ça me dit, archivé, il faut parler. Premier nom qui cité là, notez la société, c'est Schiller Louis d'Or, d'après RNDDH. RNDDH dit, li relevé entre autres, Kassilayo, parmi un paquet l'autre, mais le relevé Kassayo. Gagné Schiller Louis d'Or, mais ça le dit. Ancien directeur DCPJ, Direction Centrale Police Judiciaire, lui présenté lui sous bannière Famille Lavalas pour département l'Ouest PIA. En 2001, il aurait, c'est conditionnel, qui donc n'est pas confirmé à 100%. Il aurait détourné, ça veut dire que le monsieur était dans DCPJ, selon RNDDH, Schiller Louis d'Or, en 2001, monsieur ta, il pas mette à la droite, non, il aurait, ça veut dire au conditionnel, monsieur ta détourné plus passé $700,000 américains. Oh, et gros causé. D'après RNDDH, en 2001, lorsque Schiller Louis d'Or était directeur central police judiciaire, M. Devin candidat sous bannière Famille Lavalas, eh bien, en 2001, M. t'a détourné plus passé $700,000 américains comme ça que vous te joignez dans mais un trafic en drogue. Yo te saisi l'agence ça dans aéroport international tout sans l'ouverture. Et c'est suite à cause ça yo pral yo ta pral wete Schiller Louis d'Or dans tête de CPJ. Tu t'as bien réaction là si m'ta ba li non. Mais émission pas dans lui pas dans quelle réaction nèg ya m'ba fabricant hein. Archivio là c'est pays à pas me connaît ouais pas gagne monde qui a fait archive pour pays à comprendre ça do. Tendez bien selon RNDDH
en 2009 qui était écrit KEP, hein, qui te dit l'attention. RNDDH, oui, Pierre Espérance. RNDDH. N'a comprenne ça qu'Haïti a. Qui te dit que nèg sa yo son équipe malandrin, vagabond, individu, qui implique nos équipes dossier louche, qui pa ka vin sénateur pays d'Haïti. Premier nom le cité, c'est Schiller Louis-Dor, qui d'après ça, RNDDH dit, qui t'a détourné plus par ses $700,000 américains, yo te joint nan men yon drug dealer nan aéroport tout seul ouverture, et c'est suite à dossier ça, d'après le wete Schiller nan tête, de CPJ. Deuxième nom qui cité, c'est Serge Delva Gaspar. Gardez-en, il m'a perdu à ce monsieur. Eh, nèg gap dit, pour qui ça tete vin ak dossier? C'est pas moi, archivio là. Parce que nèg gil getan nan media là, kabin van moi privé comme Jésus-Christ sous la terre, faut me faire archivio complet. Archivio là, c'est parce que nous même nous paraissons nous pas vle li bagay yo. Deuxièmement, gan pil nan nous par rapport à zami tay nous pas osé tout dit ça pap di ya. Moi moi pour parler pour pays a gagne trop moun k'ap fè li et moi pour faire pour peuple là pas un problème. Tendez bien, deuxième moun nan c'est Serge Delva Gaspar alias Sergo Maïmoulin. Eh nous pas te connaît, eh nous connaît Sergo Maïmoulin, nous voyons ça. Monsieur c'est ancien magistrat Lavalas dans Miragouane, il s'est candidat pour le vin oui pour département NIP sous bannière Lavalas, toujours Lavalas. Monsieur était révoqué en 2001. Pour qui ça? Pour des cas de malversation dans la mairie Miragouane. C'est-à-dire qu'il était révoqué, monsieur, parce que il a pris ta mairie à volo, pris ta déchalboré, ou en déventré, ou en prendre mairie. Il t'a pété, tifli, pété comme Kessli. Pas un problème, pas un problème. Serge Delva Gaspar. Donc, monsieur était révoqué en 2001, d'après RNDDH, pour des cas de malversation dans la mairie Miragouane. Serge Gaspard, monsieur tout est accusé, le fait que l'État participé dans mettait du fait dans caille divers opposants politiques dans Miragouane. RNDDH qui a parlé. Hey, t'as des bagailles. Mba dou émission après-midi là. A pas problème dans ville là. Et puis m'pral montrer nous ça Haïti là. Troisième nom qui cité, notez non ça la société. C'est Moïse Jean-Charles. Ben non ça faut me pointer de l'eau papa. Un problème non? C'est un pays difficile. Tenez bien, troisième nom selon RNDDH c'est Moïse Jean-Charles qui ça a dit pour moi. Conseiller président. Attendez, oui, en 2009. Ça a dit, même RNDDH, ça, qui t'a vraiment écarté Jean-Charles Moïse dans l'élection 2009 pour divers dossiers louches, que je vais citer là, en 2015, donné va changer. Mais ça, Haïti, rete branché dans le tonnerre. Moïse Jean-Charles, qui se conseiller président pays, dans l'époque là, monsieur René Garcia Breval, monsieur, c'est candidat en babanier regroupement politique pouvoir qui était l'espoir dans l'époque là. Monsieur te fait objet yon mandat rale benevini. Moïse Jean-Charles. Oui, Moïse Jean-Charles. Selon RNDDH, monsieur te fait objet yon mandat rale benevini juge à Wall Chéri. Se mette derrière li dans cadre yon dossier t'ap instruit qui gen pou wè ak yon événement qui t'est passé 17 décembre 2001. Monsieur t'est comparé devant cabinet d'instruction 4 avril 2003 après yo t'est fin tande Jean-Charles Moïse juge là t'ap pral converti mandat d'amdeya en ordonnance de dépôt. Jean-Charles Moïse cependant monsieur te prend temps pour le guet en courri. Nous pas de connaître. Nous émission après-midi al kakraze pays ya plat nan même moi. Ni ka fait m pa gen zanmi même moi m pa faire m pa fanyen. Bon au contraire, c'est montrer m'a montrer le longue nèg ici. C'est montrer m'a montrer nous.
dimension bluffeur nèg ici, c'est montrer ma montre, ça qui passe là mal dans archive ça là. Et mes dossiers privés, et dossier, et faut montrer parce que nèg là commence à vendre moins comme si privé, c'est bon monde ceci. C'est même, c'est privé qui fait mal dans nèg ça là, on pas besoin nèg yo. Il faut payer à connait tout. A gon pile bay nou pa konn nan peyi a, et nèg a vinn pran nou bluffer nou baga. Oh Jésus, baga OK. Et nou pa konn histoire moun yo, fann konnen. Fè grand pile nèg parfois k ap bat kò yo. Mo ribe yo. Asè nèg yo pa li, yo pa fè recherche, yo pa konnen rien de peyi a. Yo seulement kwaza ou nèg la sou rezo et tombe voye bonté, voye fleur kalonnè. OK, pa un problème. Son peyi difficile, mo m'ap suiv yo. OK. Jean-Charles Moïse d'après RNDDH, monsieur était gon mandat d'amener au télagé contre lui et c'est juge Harold Chéri qui t'a instruit un dossier qui gain pour à qui un événement qui t'est passé 17 décembre 2001. Le Jean-Charles t'est paraît devant cabinet d'instruction le 4 avril 2003. Après au t'est fin tendez Jean-Charles Moïse, t'a semblé le pas convaincre juge là. Magistrat t'a pral converti mandat d'amener en ordonnance de dépôt qui donc, pour ne parler plus clair pour moun yo, juge Harold Chéri te mandé pour yo arrêter Jean-Charles Moïse le 4 avril 2003. Et c'est gardé, ouais, moi, monsieur disparaît. Kade jusqu'à présent, moi, son nèg là qui pas jamais répondre question la justice. Et moi, jusqu'à présent, mais moi, en cavale, oui, là. Regarde un pays difficile, monsieur. Le moi, juge la mandé pour mettre mon côté pour machine pas frapper li. C'est garder ou pas si moi il monte s'il descend. M'a répété RNDDH. Nous pas de connaît. Jean-Charles Moïse, monsieur tout impliqué dans divers événements qui arrivaient cap haïtien le 6 avril 2003. En effet, pendant une manifestation qui était organisée par des membres de l'opposition, c'est-à-dire les gens qui étaient en face pouvoir à l'époque, eh bien, gagné une série de partisans Lavalas qui était gagné en tête, yo, Jean-Charles Moïse et Naoum Marcellus. Yo l'ouvri coup de balle sous manifestant. Yo. Eh bien, pas bagarre là. Conclusion, réflexion, nan ap kompran. Tant conclusion réflexion nan n'a pas comprendre ndedine que gnèg la t'a commenté belle il va le fâcher son pays difficile un pays ça m'dou son ou un pays sous occupé nèg dans pays ça ou ka faire comment commandant Jean-Baptiste et nan bisap l'autre bois monsieur doué pour venir dans bisap là faut pas faire ni sic ni sel ou est son pays sous occupé nèg dans pays ça ti vagabond malandre détracteur ou ka faire ni sic ni sel. Moi m'pa bat pou m'pa faire youn la, ou m'fò émission la anti stress, pas un problème. Tenez bien. M'va le montrer nèg ici ou longueur nèg yo. M'a parlé là de 2009. Et René DH dit que Jean-Charles Moïse avec Naoum Marcellus pendant te gen une manifestation qui était en face pouvoir dans l'époque là, eh ben yo l'ouvri balle sous manifestant yo. Et te gen yon moun ki mouri. Moun sa, se gen Donald Julmist. Et gen yon blessé ki se Evans Lucien. Eh ben, fami yo la. Y'a de banti sa. Gen Eidi Fortuné, ki se substitut commissaire gouvernement d'alors, pré-tribunal, première instance, cap haïtien. Monsieur te pren coup de roche dans tête. Oh, pourquoi M. David Mini Justice? C'est Eidi Fortuné. M. David Mini Justice, oui. Tandis, il dit que Jean-Charles Moïse a ou Marcellus en 2009. Rapport ça sorti. Parce que yo te gen accusation sous doyo. Depuis 2001, yo te gen accusation sous doyo. Et ça te fait d'après le temps d'émission en 2003. Juge la après le mandé pour mettre Jean-Charles Moïse en côté ou machine pas frapper. Tu as une accusation sous lui comme quoi il t'a tué un monde dans manifestation qui t'a fait cap haïtien contre pouvoir la valasse là dans l'époque ça. Eh bien, mais tu as gagné et dit Fortuné, tu es substitut commissaire gouvernement à l'époque là, monsieur de bon coup de roche en tête. D'après RNDDH, Jean-Charles Moïse, lui tout est impliqué
dans un assassinat le 15 février 2004 de Gitz Adrien Salvan. Une baille, ça a été fait, il va aller vrai, oui. Il a dit Jean-Charles Moïse, monsieur, inculpé dans l'assassinat le 15 février 2004 de Gitz Adrien Salvan. Et l'État a perpétré l'autre zak violence dans le nord pays. Donc, dossier, monsieur, l'ité dans paquet. T'assemblé, c'est garder ou pas dossier. Donc, 10 mois après, monsieur te gagné une ordonnance de clôture dans le cabinet d'instruction cabahitien. Quatrième mounan, c'est Amanus Mayette. Eh bien, la valas tap bay problème. Puis vous avez la valas seulement bagay nan bay sa. Gen le chaque temps tourne gyon jan en façon pouvoir. Pas de problème, non? Mais c'est une conclusion nan pour nous comprendre pays. Amanus Mayette, yon tout ap ten démission là, oui. Monsieur inculpé dans massacre la Syrie. Eh bien, monsieur également te sous couillon ordonnance. Juge instruction Saint-Marc nan époque là, qui te voye dossier par devant le tribunal criminel. Sans assistance de jury pour des crimes graves perpétrés à Semak en février 2004. T'assemblée ou t'es interjeté appel là, contre ordonnance là, qui jusqu'à présent pas jamais abouti, en raison de l'infirmation de la composition qui a entendu l'affaire. Mounio, qui t'es semblé pas de fin là, moun qui t'a dû t'embêter des dossiers qui n'est pas là. Donc, suite ak l'an mort, ancien président Koula, qui se maître Hugues Saint-Pierre. Monsieur te mouri dans un accident circulation qui jusqu'à présent beaucoup clair. Eh bien, nous pas connaît. Nèg sa yo parti moun tout non papa. Allez, si ou sou président ta mère décolle et puis se garde le garder le wel accident. Vous comprenez? Tendez bien. Cinquième moun nan, c'est Jocelyn Privert. Bon, m'rete là, Gonia. Jocelyn Privert. Bon, m'gade là pour moi. Jocelyn Privert. Côté monsieur Privert. Mais monsieur Privert. Monsieur Privert, en vert, des billets verts. Car c'est Privert. Pas un problème. Est-ce que les prix sont verts? Pas un problème. Peut-être, yon en vert ou en rouge, m'pa konnen. Ok, mais monsieur Privert. Cinquième moun nan yon épinglé, c'est monsieur Privert. Yon dit que, ben m'gade pour moi, Jocelyn Privert, monsieur, c'est candidat indépendant pour le département de NIP. Yon dit que monsieur exactement dans la même situation. Ka ancien député Amanus Mayette, qui donc monsieur t'a impliqué tout dans dossier massacre la Syrien. En plus, visa américain monsieur t'est révoqué par les autorités américaines en 2003. J'en ai dit ça tout à l'heure. Moi j'ai une lettre côté que yo t'ai adressé à compagnie aérienne à l'époque. Côté yo dit en prie s'il vous plaît, pas quitter mouche ça, monter avion pour l'entrée aux États-Unis. Yo dit si, yo tout dit compagnie, directeur et responsable vol là, yo dit que sou quitter Jocelyn Privert, monter dans avion puis les États-Unis, ou paye une amende en plus l'autre sanction qui prévoit dans affaire trafic aérien, mais on paye une amende quoi qui dans $3,000 vet pour ça seulement. Ça dit son individu ou pas quitter monter dans avion ça pour le mettre point de pied aux États-Unis. Visa a été coupé en 2003. Faut que pays a konn bagay sa yo. Non, pays a pas konn. Pays a pas konn. Eh ben, et ça te fait nous là toujours. Eh ben, ok, pas un problème. Sixième moun yo cité, c'est Naou Marcellus. Monsieur qui présenté pour département Nord sous bannière famille Lavalas. Visa américain mouché tout est révoqué en 2003. Pour participation présumée, l'un qui s'assouplait dans le trafic de la drogue. On va connaître, non? Et ouais, nous, bah, yo, là, nous dit yo. Qui donc,
Dans la nuit 7 pour arriver 8 février 2004, Radio Vision 2000, branche nord au pays d'Haïti, eh bien, il était pillé, puis incendié par des partisans Lavalas qui dégainent en tête Yonaou Marcellus, Richard Estimable, Chili Charles, ancien directeur départemental de la police du Nord. Incident si là, il est arrivé quelques jours après que Naou Marcellus t'ait proféré des menaces à l'encontre de cette station. Il était menacé et puis il a attaqué directement. 21 février 2004, il y a le journaliste Elisène Pierre, directeur Radio Hispaniola International et ancien correspondant Radio Métropole dans Cap-Haïtien. Monsieur victime d'une tentative d'assassinat. Et Naou Marcellus, yote roi monsieur en dans un véhicule côté il t'a planifié pour assassiner citoyen c'est là. Le meneg qui saute sédateur là, pas de problème. C'est ça m'a dit nous oui. Gen moun la commencé comprendre ça m'a dit oui, mais gen pas comprendre tout ça fait pas à régler. Pas un problème. M'bra l'autre gars nèg ici fragile. Ça veut dire c'est même rapport ça t'est sorti contre nèg ça en 2009. Même organisation encore existait. Même moun yo qui te fait partie de l'institution ça encore là. Même nèg sa yo pral retourner là apparaître sous nous en 2015. Pas grand rien qui dit contre yo. Et si ou al gade dans archivou ou pral gade zami taille qui développé en pile là dans yo et responsable RNDDH yo. Suivez mon regard, on joue à comprendre. On joue à comprendre. Mais l'être grand Timoun, mais gounya nous tellement fanatique, pas comprendre non. Ouais, ou pas comprendre ça m'a dit là. Mais yon jou n'ap kompren, pas un problème. Donc, 19 mai 2004, gen yon plainte qui te dépose dans parquet tribunal, première instance Cap-Haïtien, par Radio Vision 2000, qui représenté par le cabinet maître Gervais Charles, contre Naou Marcellus, Richard Estimable. Et puis, ah, il me fait m'bè dit là, non? Ça m'a dit là, important pour pays, ya? Oui. Mais Gervais Charles, oui, contre Naou Marcellus, Richard Estimable, Chili Charles, Jean-Bertrand Aristide et Mario Dupuis. Eh bien, Titi Diote peut te plaindre pour les tout. Ça a dit. Ah, rien pas arrivé. On paye difficile. Ensuite, qui est encore? Guy Philippe. Guy Philippe Lato, oui. Candidat pour département grandance payant, désolé, sous bannière FRN. Monsieur fait objet, yon mandat international. Qui enregistré au numéro 05-208-74, qui est mis par la justice américaine en date du 22 novembre 2005. Ah, de ouais, il y a longtemps. Il n'y a pas d'une occasion pour y prendre. Vous comprenez ça, d'où? Et puis, il y a attendu jusqu'à ce que le rivière en 2016, après le 2017, comme ça. Et puis, vous quittez le final lui comme sénateur. Et puis, vous font gens là, vous débarquez, vous prenez affaire. Vous avez cherché monsieur quelque temps, oui. Et depuis 2005, pour implication présumée dans le trafic illicite de stupéfiants et le blanchiment d'argent, monsieur lui échappé plusieurs fois à des opérations policières menées à son encontre en façon pour ne pas jamais mettre main sur lui entre 2007 et 2008. Gain lieutenant Emmanuel. Grégoire Chevry, candidat pour plateau central, sous bannière fusion des sociodémocrates, monsieur renvoyé des forces armées d'Haïti FADH en avril 1989 sous la présidence de Prosper Avril pour son implication présumée dans le trafic de la drogue. Pas un problème. Yola. Et puis, qui est-ce? Oh, David Chéri, tout oui. Non, mais de David Chéri là, tout oui. David Chéri. C'est donc gros liste, papa. David Chéri, candidat sous bannière qui est Alliance pour l'avancement et la libération d'Haïti. Allah. Pati Renol, Georges, pati ça, pas ça. Pour le département de l'Ouest. Monsieur condamné à une peine affective par la justice haïtienne pour escroquerie. Ah, ben, gagne dans bail, et comment bail ça déroule encore? Et. Coopérative là. Hein? Ok, et puis il dit que RNDDH lui entend attirer l'attention CEPA
sous disposition article 94 dans la loi électorale là, qui dit comme ça, pour être recevable, la déclaration de candidature à la présidence, au Sénat et à la députation droit, par ailleurs être muni des pièces suivantes. Une reproduction ou photo de la SIN, donc quatre articulations, donc une identification, ou à défaut un certificat délivré par l'ONI. L'expédition de la déclaration de naissance ou à défaut un extrait des archives du dit acte. Une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le candidat est propriétaire, etc. etc., etc. Donc, Moun Sayom sot cité là, en 2009, RNDDH sorti rapport ça le 3 février 2009, côté li voyel bay CEPA pour le dit Moun Sayo, suivant ça yo gen soudeur ka pesé comme accusation, comme dossier louche, comme implication dans ces deux dossiers graves, dans crime de sang, etc., yo pas capable de vin candidat.